Bonjour les gens. Guidance flamme jumelle. Guidance flamme jumelle classique avec les deux polarités et le lien. Alors du coup j'ai plein de choses. Hein. Je montre les jeux, tiens d'ailleurs. Les cartes de l'âme nouveau de Jacques Lucas. C'est un jeu très intéressant, je m'en sers pas beaucoup parce qu'il est particulier, je le connais pas, je m'en sers pas du tout comme ça. J'ai pris toutes les cartes, il y en a certaines, je pense qu'elles sont mystérieuses beaucoup pour moi, mais c'est pas grave. Ça, c'est pour notre ami masculin. Alors, du coup, je vais faire ça en même temps que vous. Je pense que j'ai assez de batterie, j'espère, je voudrais un tirage assez complet. On a l'oracle de l'enfant intérieur, donc avec les gens là qui l'ont fait, si je puis dire. On va prendre toutes les cartes aussi. On verra si c'est clair ou pas. Est-ce qu'il y a des cartes particulières? Ok. C'est pas fait pour ça normalement non plus. Mais ça va le faire. Donc ça c'est pour du masculin. Lightwalker Oracle. Lightwalker Oracle d'Alana Fairchild. Et donc on sait pas par qui c'est dessiné. C'est pas grave, ça c'est pour le féminin. Ok. Voilà. Wisdom of the Oracle de Colette Baron-Reed. C'est pour le féminin. C'est en live. Je ferai bientôt des lives. Hein. Je ferai bientôt un live en tout cas. Peut-être je préviendrai ou pas. C'est trop du suspense. Donc j'ai du féminin, du masculin, du masculin. Ça m'étonnerait que je puisse le faire sans utiliser un tarot. On va prendre celui-ci pour les deux. Pour le lien ou pas, on verra. Donc, message de guérison de l'Égypte ancienne. On en prendra au moins un là-dessus. Je suis en train de faire l'oracle du messager de Ravine Vellan. Donc, Claire Duval et Célia Mélésil. Pour les messages de guérison de l'Égypte ancienne, l'oracle du messager, je sais pas. Par contre là, ça tient pas, hein, si je puis dire. C'est dangereux. Et par contre, on m'a demandé, et il faut que j'arrête de dire par contre, en revanche, on m'a demandé de prendre celui-ci. C'est de Karine Malenfant, c'est les cartes de l'archange Gabriel. Elle en a fait 4, elle a fait Raphaël, Michael, Gabriel et après elle a fait Métatron. Alors ça c'était les premiers jeux que j'avais et dont je me sers absolument plus. Alors je sais pas pourquoi il fallait prendre celui-là. Donc voilà, ça c'est un jeu, je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Donc ça c'est pareil, je ne mets pas loin au cas où il y ait besoin de prendre la... The Notebook, en quelque sorte. Et je sais pas comment ça marche pour les autres. Donc ça, je mets ça là. Waouh. Ça, je mets ça là. Ça, je mets ça là. Non, j'y arrive pas. C'est trop petit. Alors, on part sur du féminin. On part sur du féminin avec ces deux jeux-là. Et on est prêt là. Est-ce que je suis prêt? Où est-ce qu'il en est notre ami féminin, féminine surtout? Donc la polarité féminine. Ce sont principalement des femmes, hein, on va pas se le cacher. Hein. Voilà. Qui porte la polarité yin? C'est clair pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, mais peu importe, qui porte la polarité yin notamment parce qu'il y a besoin sur cette polarité d'être relié. Et c'est pour ça que cette polarité est la première éveillée en général. Et c'est pour ça que cette polarité aussi
Ah, une médiumnité qui est facile d'accès. Et je dis ça va énerver beaucoup de gens. Voilà. Mais ça viendra de toute façon, ça viendra chez tout le monde, ça viendra chez les deux polarités. Mais la polarité féminine en a vraiment besoin pour trouver sa propre guidance à un moment donné. Ici, il en faut trois. Ok. D'accord. On est parti là. Hein. Ah, je sais pas comment je vais vous décrire ça. C'est pas grave. Et j'en veux une troisième, s'il vous plaît. Et on va se prendre du tarot quand même un petit peu. Hein. On va se faire un tirage complet. Je pense qu'on peut. Enfin, je pense qu'on a de la batterie, de l'énergie là. Ça fait longtemps. Ah, ça c'est surprenant quand même, les deux déjà. Ah, je sais pas comment je vais vous expliquer ça. Il y en a deux là. Ok. Et celle-ci, c'était quoi? Celle-ci, alors elle est pas bonne, mais de toute façon, co-créée, donc vous pouvez la prendre parce que voilà, elle est toujours bonne quoi qu'il arrive. Alors on a trois cartes. On a besoin d'un coup de main. Alors, je vais faire des traductions approximatives, hein, on va pas s'affoler. Ici, la polarité féminine, alors soit la polarité féminine a besoin d'aide pour continuer sur le chemin. C'est possible, hein, on a toujours besoin. Alors prenez le micro. On a toujours besoin d'aide. On a toujours besoin de nettoyage énergétique notamment. Et on a toujours des blessures à guérir encore, même quand on est très loin, même quand on est très avancé. Soit c'est ça, ou soit c'est le masculin qui a besoin d'être aidé par la polarité féminine. Si c'était ce deuxième cas, je pense que ce serait arrivé sur le tirage du masculin. Donc là, peut-être que vous avez besoin d'aide. Si vous n'êtes pas bien, etc., bah justement, il faut vous faire aider. Du 7, du 5, du 9. Sérendipité. Je sais pas comment vous expliquer ça. Waouh. Bah si, en fait, sérendipité, j'ai presque envie de vous expliquer ça par les synchronicités et par les miracles de la vie, en fait. Et par suivre le chemin. Souvent, la polarité féminine se pose trop de questions parce qu'elle a conscience du lien, parce qu'elle est responsable du lien en quelque sorte aussi, ce qui est vrai. Et ça met beaucoup de poids, ça met beaucoup de responsabilité, parfois trop. Et du coup, on se met trop de pression aussi. Alors que le chemin, c'est la foi, toujours la foi, j'en parle à chaque fois parce que la foi, elle progresse au fur et à mesure qu'on va sur le chemin et il y a des tests qui sont là pour voir où on en est. Je peux pas dire autre chose, il y a toujours des tests, il y a toujours des épreuves pour voir où on en est, pour faire remonter des blessures aussi pour qu'elles puissent être guéries. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette carte-là. Si vous n'êtes pas bien, c'est que vous avez besoin d'aide. Si vous n'êtes pas bien, que vous avez besoin d'aide, demandez à vos guides, puisque juste à côté, bah, j'ai presque envie de vous dire qu'on parle de synchronicité ici. Et même de médiumnité. De suivre le chemin en tout cas.
Je sais pas expliquer le mot sérendipité en clair. C'est pas grave. Demandez à vos guides si vous n'êtes pas bien. Bah de vous aider, déjà, dans un premier temps. Et puis demandez-leur s'il y a besoin d'une aide extérieure, toujours vous leur demandez de bah, d'amener à vous la personne qui pourra vous aider, qui pourra vous faire un soin ou qui pourra vous faire comprendre quelque chose. La personne, ou ça peut être un livre ou n'importe quoi aussi, hein. Il y a plein de possibilités. Mais si vous êtes, voilà, si vous avez besoin justement d'être aidé, eh ben, demandez justement à ce qu'on vous envoie tout en même temps. Ok. Et j'ai l'impression qu'on est là-dedans, parce que ici, on a besoin de sécurité, besoin d'être rassuré, besoin d'être rassuré sur le parcours. Il y a beaucoup de gens qui doutent après des années et des années. C'est fatigant, hein, on va pas se le cacher, c'est lourd. Et puis en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent, souvent entre les deux. Donc il y a beaucoup de réunions, ça je vous rassure, il y a beaucoup de gens qui avancent et ça c'est cool. Et puis il y a des gens qui sont pas loin de la réunion, mais quand on n'est pas loin de la réunion, c'est une étape particulière. Parce qu'il y a des choses qui se montrent, qui n'étaient pas là auparavant et qu'il faut guérir avant la réunion. Et donc, ben, il y a des blessures qui sont ravivées si elles ne sont pas entièrement guéries. Et il y a d'autres choses qui ne pouvaient pas être en solde les dossiers en fait. Et ben, s'il y a des dossiers encore en cours, ben, on les solde. Et du coup, ben, ça remonte un peu dans tous les sens dans ces cas-là. Et donc, on prend soin de soi. On prend soin de soi. On demande de l'aide à l'extérieur si nécessaire. Ok, alors. Puis là, moi, j'ai soif. Hein. Alors, quand j'ai soif comme ça, c'est qu'il y a des choses qui passent. Alors ici, on va en prendre peut-être qu'une. C'est celle-là en plus. Ouais, ok. Il en faut d'autres ou pas? Et alors, il n'en faut pas d'autres, il faudra en prendre pour le masculin. Ok. Alors. Alors. Par rapport à tout ce que je viens de dire, donc une invitation à vous connecter. Et puis, vous voyez l'image ici, l'illustration. Les polarités féminines classiques, il y a très peu de gens qui sont pas dans les cases, hein, donc polarité féminine et yin. Et donc médium. Voilà, je fais du raccourci, mais pour vous expliquer ça. Et donc vous êtes forcément médium et c'est forcément activé chez vous. Et vous vous énervez souvent parce que vous dites que c'est pas le cas. Alors quand j'ai les gens en consultation, même si j'en fais plus, mais quand j'avais les gens en consultation, bah, ils me disaient, mais non, moi j'ai pas de message, tout ça. Et puis au fur et à mesure de la discussion, voilà, ils me racontaient des tonnes de messages qu'ils avaient eus. Donc lâchez prise par rapport à ça, vous êtes bien connecté, et du moment que vous voyez les réponses dans la synchronicité, ça suffit amplement. Mais en général, vous y avez déjà beaucoup plus que ça. Et donc là, ben, c'est quand même une invitation à vous connecter. Donc on vous dit bien de rester centré sur votre canal, de nettoyer votre Antahkarana, de demander à ce que votre canal soit pur pour recevoir les bonnes informations. Et toujours demander à être protégé aussi. La seule intention déjà, c'est déjà beaucoup. Ok. S'il y a cette carte-là, c'est qu'il y a des choses à recevoir. C'est qu'il y a des choses à recevoir et c'est qu'il y a des personnes et des couples qui ont besoin d'avancer et qui ont besoin d'être guidés. Et donc, ben, vos guides juste à côté, ils aimeraient avoir davantage la parole, très clairement.
Très clairement. Donnez-leur de la place, donnez-leur de la place et du temps. Méditer, aller marcher dans la nature. À partir du moment où le mental, pardon, le mental n'est pas en marche et que c'est libre à l'intérieur de la tête, donc le cœur peut prendre sa place et l'âme aussi, et donc les messages arrivent d'une manière naturelle et facile. Donc si vous avez du mal, allez simplement marcher dans la nature. Mais si vous marchez dans la nature, vous pensez à rien d'autre. Si vous êtes dans la nature et que vous pensez à ce que vous allez faire après, ou si vous êtes en train de penser à votre autre, ça marche pas. Vous êtes dans la nature, vous marchez dans la nature, vous pensez, voilà, vous regardez où votre pied se pose, mais pas plus. Voilà. Ok. Est-ce que ici, donc une carte pour aider, je pense ici. C'est bien, c'est bien, c'est super, c'est bien. Vos guides demandent plus de place là, très clairement. Ils demandent plus de place pour que ça aille plus vite. Directement, là, on me dit qu'il y a des gens qui sont. Ah, j'ai entendu proche de la Réunion. Ah, c'est pas ça. Enfin, qui sont sur des nouvelles étapes et ça bloque. Ça bloque alors que tout est presque en place et que vos guides ben, vous indiquent le bon chemin et vous ne le voyez pas. Celle-ci. Donc trouvez du temps et de l'espace libre dans votre tête, débranchez le mental. Ok, donc le Nil, l'inondation, source de vie, je nourris et fertilise la terre, tout est prêt en toi pour la guérison et la transformation. Vous voyez qu'il y a une nouvelle étape pour beaucoup d'entre vous, ici, qui est prête. Et vos guides demandent à vous aider. Je sais pas, il faudra, on essaiera de, je sais pas, j'essaierai de faire une vidéo, peut-être, je sais pas quoi. Mais simplement aller marcher dans la nature, méditer, ne penser à rien d'autre. Et si vous avez l'esprit vide, vos guides pourront vous envoyer des messages, vous les verrez. Là, c'est bien tout ça ici. Hein. C'est bien, bien, bien. On est sur autre chose en avance, là, c'est cool. Ok. Il y a des choses qui se passent là aussi parce que c'est quand je bois comme ça, comme un. Comme un. Voilà. Il y a des choses qui passent. Tant mieux. Ici, donc les cartes de l'homme nouveau de Jacques Lucas. Donc, ça, c'est un jeu très intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux sur le masculin. Il n'y a pas beaucoup de jeux pour les hommes non plus, le genre. Donc ça, c'est fait exprès par Jacques Lucas, qui est quelqu'un qui a un référent sur le masculin, à plein de niveaux, au niveau du tantra aussi. Et c'est très intéressant. Par contre, c'est un jeu voilà, que j'utilise pas, parce que je prends tous les oracles d'une manière sauvage, et que celui-là est un peu compliqué, donc j'ai pas lu, et donc il y a des cartes. Bon, on va voir. Il en faut 5 en tout cas. Ça fait beaucoup, hein. Bon. On va prendre celle-ci. Donc voilà, c'est la carte de l'homme nouveau. Ouais, après, non, on va laisser tomber ce que ça représente dans le jeu. Donc la carte de l'homme nouveau, donc c'est le jeu de l'homme nouveau. Et donc la première carte qui vient, c'est celle-ci. Donc ça veut dire que notre ami masculin, qu'il soit homme ou femme,
Voilà, il est à cette image, hein. Donc c'est un homme nouveau. Il y a un homme nouveau qui est prêt. Alors on va voir comment il est prêt. Alors s'il en faut 5, par contre, moi je vais pas les faire sauter, hein, sinon on va coucher là. Alors moi je vais coucher là, mais personne d'autre. Alors, dos de deck, du coup je prends le dos de deck, l'accusation. Attention à l'accusation. L'accusation pour moi elle vient toujours du féminin vers le masculin. Du masculin qui avance pas assez vite pour le féminin. Et vous voyez d'ailleurs c'est l'homme qui est là. Hein. C'est le masculin qui est là. C'est compliqué pour le masculin, on le voit beaucoup beaucoup en ce moment. Il y a plein de masculins qui sont justement sur une nouvelle étape, hein, mais ils n'arrivent pas à la franchir. Ils n'arrivent pas à la franchir, ils ont besoin d'aide. Donc on rajoute pas des couches. On rajoute pas des couches. Alors, je regarde ce qu'il y a de marqué dessus, hein, mais on va pas s'en servir. L'artisan. Donc notre ami masculin, il construit sa vie pas à pas. Et puis un peu comme cet artisan ici, en fait. Il a libéré beaucoup de choses. Il continue. Et encore des choses un peu lourdes. Il va y arriver. Mais c'est un gros boulot. Bon, c'est bien d'avoir commencé par là. Alors, cette carte-là, l'âme de mutation, la différenciation. Alors, je sais pas ce que ça veut dire à la base. Ici, la différenciation, c'est qu'il est en train de se séparer. Alors, ça veut pas dire ça, la carte, hein, mais je sais pas. Pour moi, c'est très clair, il est en train de se séparer. Alors, séparer, c'est un mot qui est trop fort, mais de s'éloigner d'énergie tierce. D'effectuer une différenciation entre lui et ses énergies tierces, entre ce qu'elles représentent dans cette matière et aussi ce qu'elles vont représenter ailleurs, et ce qu'elles représentent aussi par rapport à la polarité féminine. Et du coup, il commence à avoir une notion, une notion avancée de ce que représente une ou plusieurs personnes autour de lui. Et je puis dire que ces personnes ne représentent pas forcément un côté très positif, hein, et qu'il y a d'autres choses, et que ces personnes ou cette personne, c'est pas que cette personne, mais qu'il y a d'autres choses derrière. Qu'il faut bien passer à autre chose, et qu'il faut se libérer de cette personne. J'espère que j'étais clair, hein, ici. L'âme de mutation, donc ça on peut le prendre. C'est comme s'il se détachait d'une certaine emprise en fait. Et souvent il se détache de cette emprise parce que la polarité féminine, pardon, je vais pas y arriver, a fait des choses pour qu'il puisse avancer. Et a fait des soins sur le masculin en passant par elle ou lui. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que c'est extrêmement compliqué à ce niveau-là. Ok, j'espère que j'étais clair, hein, comme d'habitude. Ok. Et donc voilà, où en est son cœur. Donc là, je vais même pas vous parler, hein, vous voyez. Donc voilà, le cœur est en train de... Tout ce qui est pas cool et tout ce qui recouvrait son cœur, et tout ce qu'on avait mis sur son cœur, hein, parce que on peut quand même le dire comme ça, parce que sur toutes les relations de flamme, il y a quand même des énergies pas cool. Et je suis gentil quand je dis pas cool. Et donc qui ont mis des choses sur le masculin et sur le féminin aussi d'ailleurs. Les féminins s'en libèrent et le masculin il reste avec. Et donc le masculin pendant longtemps a eu le cœur entièrement gris. Et maintenant, tous les masculins ont le cœur comme ça, voire entièrement libéré, voire beaucoup plus. Mais à partir du moment où c'est bon un petit peu, ben, tout le reste est possible. Voilà. Ça, c'est très très bien.
Ça marche très bien en fait ces cartes. Donc on est vraiment là-dessus. On est sur un homme, pas un homme, une polarité masculine, homme ou femme, en pleine transformation, et puis avec un cœur qui est en train d'être, j'allais dire nettoyé, mais c'est plutôt régénéré en fait, et presque ressuscité. Ok. Et c'est ressuscité par le féminin. C'est ressuscité par le féminin, pas par la polarité féminine. Hein. C'est ressuscité parce que le féminin, donc le yin, au cœur de la polarité masculine qui est yang, commence à prendre sa place. Et donc ça s'ouvre comme cette fleur. Je sais pas ce que c'est comme fleur. Je pense que c'était un lotus, mais pas du tout. Elle est très belle cette carte. Donc cette carte du féminin avec cet homme et ce sexe féminin, on va dire clairement au niveau du cœur. Et donc c'est par cet équilibre et par l'irruption. C'est pas le bon mot, c'est pas grave. Du féminin du yin surtout pour le coup au cœur du yang par cette ouverture qui se produit comme ça que l'évolution va se faire et que le masculin va ouvrir ses ailes, que la polarité masculine va ouvrir ses ailes et c'est ça qui lui permet d'avoir la clairvoyance, clairconnaissance, peu importe, par rapport au reste. C'est aussi parce que le féminin passe à l'intérieur du masculin aussi que la médiumnité se développe aussi. Même si elle est déjà bien présente et souvent plus présente d'ailleurs, mais peu importe. Et par contre, on dit bien que c'est un travail de longue haleine. Ok. On continue, mes amis. Et puis, je voulais prendre quelques cartes donc de l'enfant intérieur. Deux cartes. Alors ça c'est pareil, il y a des cartes, on va voir. Celle-ci. Ouais, ok. Et une deuxième carte, s'il vous plaît. Je sais pas. Bon, je continue. Je crois que c'était la bonne carte, mais je suis pas sûr. Là, il y en a 50 000, hein, genre. Et là, il y en a 53 000. Est-ce qu'elle est bonne? Merci. Ok. Je me relis. Hein. Je me relis. Une invitation à se connecter. Hein. Donc, des deux côtés, il y a quand même bien cette notion où il y a plein de monde à côté qui demande à être écouté. Alors, de quoi a besoin notre ami masculin, masculine? Voilà, il y a toujours un problème de manque d'estime de soi, de manque de confiance, la pensée récurrente et ancrée que je ne suis pas assez bien pour mon autre polarité. Ça, c'est assez catastrophique en général. Donc ça, certains sont encore là-dessus. Tant qu'ils seront encore là-dessus, pensez-y, hein. Pensez-y. Essayez de repérer où en est votre autre par rapport à ça. Ça ne se voit pas toujours, hein, parce que il peut avoir des apparences très très trompeuses et être vraiment quand même là-dedans à fond la caisse. Mais il n'y aura pas de complétude du masculin tant qu'il y aura ce sentiment de ce manque de reconnaissance en fait. Ce manque de reconnaissance familiale évidemment, mais bon, voilà. Et il a besoin de joie. Il a besoin de joie, notre ami. Il a besoin de joie parce qu'il est quand même en train de bosser beaucoup, beaucoup. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, ces cartes-là. Beaucoup, 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 beaucoup. Je trouve ça très beau déjà au niveau du graphisme.
Et puis voilà, c'est très très hopeful. Ça donne plein d'espoir. Et que cette carte soit venue en premier, c'est très très cool. Je pense qu'on en prend une ici, vous aviez dit. Oui, ok. Et une ici aussi, d'accord. Chemin de vie. Chemin de vie, le masculin sur son chemin, tout simplement. J'ai entendu. Le masculin est sur son chemin, on le voit, on l'a vu. Il y a encore des choses, mais voilà. J'ai presque envie de dire quand même que le plus dur est fait pour la plupart des couples. Donc il y a encore du boulot parce que c'est... Voilà. Mais le plus dur est fait pour la plupart des couples. Et... Alors je dis ça comment, s'il vous plaît? Il y a des enfants qui attendent. Hein. Les enfants dont je vous parle depuis tout le temps. Les enfants du Verseau. Les enfants, la venue d'enfants que j'ai annoncé à beaucoup de personnes. Donc maintenant j'ai des retours, j'ai des personnes, ben les enfants ils sont là. Là, il y a des femmes qui sont enceintes, qui portent ces enfants maintenant, donc on est en train d'avancer. Il y a d'autres enfants qui sont en instance, donc ils sont toujours un petit peu en haut là, et qui veillent sur leurs parents, qui guident leurs parents justement. Mais qui ont une date de naissance de prévue. Et donc une date de conception quelque part aussi. Et on se rapproche de toutes ces dates. Donc voilà. Voilà. Vous voulez que je dise plus de choses ou pas? Non. On y reviendra. Je sais qu'on y reviendra. C'est mon boulot principal, ça. Ok. Alors, une carte de. Des messages de l'Égypte. De guérison. Message de guérison. Elle va pas hyper sauter. Hein. Est-ce que c'est bon? Ok. Atoum, Atoum, pardon, je connais pas tout là-dessus. Atoum, c'est très beau le travail de Claire Duval ici. Et magnifiquement illustré par les Siam et Lesville. Atoum, le soleil couchant. C'est le moment. Alors je vais le recommencer. Atoum, le soleil couchant, c'est le moment de pénétrer dans ton monde intérieur pour y découvrir les secrets qu'il recèle. Accueille avec bienveillance et compréhension tes pensées les plus sombres. Ok. Accueille avec bienveillance et compréhension tes pensées les plus sombres. Donc il y a bien une notion de continuer, notion aussi de bien s'apercevoir qu'il y a un travail de l'ombre à l'œuvre et qu'on porte l'ombre aussi. Alors les deux polarités, mais que le masculin porte l'ombre et qu'il y a une partie de l'ombre qui doit être illuminée. Et notamment pour que certaines personnes dans sa vie puissent prendre le large définitivement, ou en tout cas être que la relation soit nettoyée et apaisée. Ok, on va continuer. On va regarder quand même quelques cartes au niveau du lien, n'est-il pas? Surtout qu'il y a encore deux jeux là, visiblement. Alors, je prends celui-là. Ici, là, c'est pour le lien. Non, c'est pas pour le lien. Bon, on va continuer. De toute façon, moi j'ai plus à boire, donc on va pas aller très loin. Il y a deux cartes pour le masculin encore. Il y en a deux là, je les prends ou pas? Ok.
Celle-ci, elle est bonne. Merci. Ok. Alors la première. La 23, laissez s'exprimer vos émotions. Ça fait du 5, ça tombe très bien. Laissez s'exprimer vos émotions. Et les émotions, en l'occurrence, c'est la joie et la tristesse. Alors, c'est pas la tristesse, hein, c'est pas marqué dessus, mais ici, voilà, il y a beaucoup de masculins qui portent beaucoup de tristesse et il faut en laisser partir pas mal pour alléger les choses et pour que ça devienne plus léger. Il faut laisser partir tout le gris, là. Le masculin, il a pris plein de trucs dans la gueule. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, de tous les côtés, et dans tous les espaces-temps qui plus est, et dans celui-ci en particulier. Ok, et la deuxième carte ici, eh bien c'est concentrez-vous et agissez. Alors, je sais pas comment vous les voyez ou pas. Ok, elles sont belles ces cartes. Concentrez-vous et agissez. Hein. Vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, quoique, déjà là, on voit bien que le masculin il bouge. C'est beau. C'est cool ça me plaît bien ça. Ici, ça résume un peu tout quand même. Le masculin a besoin de bouger. Et il a encore des chaînes. Hein. Très clairement. Il a encore des chaînes très clairement. Et il peut s'en séparer. La carte qui résume tout ça, c'est ça. Hein. C'est l'artisan et le masculin. Le boulot du masculin, c'est de, voilà, de s'épurer le cœur ici, d'enlever tout ça, là. Mais il le fait comme ça, masculin, masculine. Il va y arriver. Ok, on peut aller sur le lien là. Alors j'ai donc Gabriel qui reste ici. Je suis sur le lien. Alors je prends trois cartes ici. En voilà une. Alors je sais plus ce qu'il y a là-dedans, moi. Alors c'est pour le lien, c'est pour les deux. Quoique ça c'est pour la polarité féminine. Je sais pas, on va lire, je sais plus. Je connais plus ce jeu en fait. Hein. C'est surprenant parce que c'est un des jeux qui datent d'il y a 5-6 ans, j'imagine. Et ben on est très très loin de tout ça maintenant, quoi. Ben les jeux maintenant sont vraiment très différents. J'ai dit ça, je veux pas faire de tort au travail de Karine Malenfant, hein, qui m'a été extrêmement précieux à une époque. Mais c'est vrai que c'est des oracles que je n'utilise plus. Et donc, notre ami Gabriel, hein, et sa polarité féminine Hope, Lady Espérance, qui est très présente ces jours-ci, on l'a vu. Ça parle de communication quand même, hein. On est sur du chakra de la gorge, hein. Mais c'est quand même la flamme blanche aussi, c'est la flamme de la pureté, de l'ascension. Bon, on va pas. Alors, il m'en manque une. Je vais vous les donner un peu comme ça, genre. Hein. Donc la première carte venue, c'est la carte de l'imagination. Donc je vous la mets comme ceci. Et le texte, je vais vous le lire d'emblée. Plus vous travaillez votre imagination, plus
Vous pourrez matérialiser vos rêves et plus vous rêvez, plus votre imagination travaille. L'un ne va pas sans l'autre. Quand vous vous réfugiez dans votre cœur et votre âme, vous êtes protégé. Ouvrez-vous à votre imagination. C'est très juste, je vous laisse le texte, hein, si vous voulez le lire, faites pause. Faut visualiser le couple aussi. Et ça s'adresse à la polarité féminine. Il faut visualiser le couple dans la matière, dans la 3D, dans le quotidien. Il faut vous imaginer vivant avec votre autre au quotidien pour que ça, pour simplement lancer cette commande à l'univers. C'est important. Voilà. Il y avait d'autres messages ici, hein. Quand vous vous réfugiez dans votre cœur et votre âme, vous êtes protégé. Donc ça, c'est cool. Alors, ouvrez la porte. Vous êtes arrivé à destination. Vous devez maintenant avoir confiance en vous afin d'ouvrir la porte qui vous mènera vers cet objectif auquel vous rêvez depuis si longtemps. Levez la tête et soyez fier du travail que vous avez accompli. Vous êtes un élu. Alors, vous êtes un élu, ça me plaît trop pas. Hein. J'aime pas du tout cette différenciation entre les personnes. Et non. Et donc voilà. Mais par contre, ici, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes arrivé à destination. Toutes ces cartes sur les deux polarités, ce sont pour des personnes qui sont à l'orée de la réunion. Et quand on est à ce stade-là, ce n'est pas le plus facile. Et ça peut durer très longtemps. Et il peut y avoir beaucoup de choses encore qui vont remonter. Et ça peut du coup sembler sans fin. Parce qu'on avait vraiment l'impression depuis un bout de temps qu'on y était presque. Et puis en fait, on n'y est pas. Et puis il semble y avoir du recul. Et donc, alors qu'on pensait que c'était bon, bah c'est plus bon. C'est plus bon et on a l'impression qu'on recule, on a l'impression qu'on a des nouvelles blessures, il y a des dossiers qu'on a déjà traités qui remontent. Non, 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 c'est pas du tout ça. C'est simplement ce que je vous expliquais tout à l'heure, beaucoup chez la polarité féminine. On ne se décourage pas, hein, toujours, hein, mais évidemment, c'est fatigant. Pour les deux, hein, on a vu que les guides, alors ici, puis je sais plus où pour notre ami masculin, mais les guides demandaient à prendre davantage de place et à guider davantage. Alors le masculin, la masculine, elle va se débrouiller, hein, mais à moins que vous soyez en communication et vous pouvez le dire aussi justement. Mais pour la polarité féminine, ben c'est vraiment de trouver de la place que je vous expliquais tout à l'heure. Ouvrez la porte, vous êtes arrivé à destination. La destination, ici on parle de la réunion, hein, et vous savez que ce n'est pas la destination finale, mais bon, c'est la destination que l'on peut espérer quand même pour beaucoup maintenant. Il y en a beaucoup qui sont maintenant et il y en a beaucoup qui vont l'être dans les prochaines semaines. Et c'est important. Et donc, il faut bien que la porte soit vraiment ouverte. Et là, il y a cette notion, c'est assez juste cette image, où la porte, elle est entrouverte, il faut l'ouvrir entièrement. Quand on est à ce stade-là, on peut avoir peur du couple aussi, d'ailleurs. Parce que ça peut faire longtemps, parce qu'on a des habitudes, parce qu'on a changé. Et qu'on ne sait pas trop où on est l'autre, du coup on peut avoir peur et du coup on entr'ouvre la porte à l'autre. Il faut lui ouvrir la porte en grand. Levez la tête et soyez fiers du travail que vous avez accompli. Je vous laisse le texte aussi, hein, pareil si vous voulez le lire. Hop, caché. Et donc, voilà, trouvez du temps pour vous.
Ah, c'est pas trouver du temps pour vous, hein, c'est trouver du temps pour vos guides là. Parce que là, voilà, on s'est venu à plusieurs reprises. Ok, je lis le texte donc. Vous vous sentirez plus joyeux et plus léger lorsque vous prendrez plus de temps pour vous. Cessez d'attendre un moment précis. Trouvez du temps chaque jour afin de lire, de vous reposer et de rire. C'est ainsi que vous serez épanoui. Donc vous prenez comme ça, c'est déjà un bon conseil, très clairement. Mais il y a aussi de trouver du temps pour les guides, et c'est la même chose. Trouver du temps chaque jour. Donc pour être libre d'esprit, pour que le mental soit déconnecté, pour que le mental soit débranché. Et à partir de là, vos guides enverront les messages. Ils se débrouilleront. Ils savent comment faire. Mais si vous êtes toujours en train de courir ou en train de vous prendre la tête, en train de vous plaindre peut-être, en train d'être fatigué, alors fatigué c'est normal, et fatigué tant mieux parfois parce que ça permet de lâcher prise, et du coup si on lâche prise, les messages arrivent plus facilement. Donc voilà, c'est valable pour les deux, c'est pas mal tout ça. Ok, je sais pas si on a fini ou pas. Alors, on me le fait comme d'habitude, il manque une carte. Ok, alors mais je sais pas où elle est par contre. Il manque une carte et il manque une carte pour qui? Alors, on va prendre l'Umrazaï. L'Umrazaï, ben, du coup, j'aurai une carte pour les deux. Enfin, je sais pas. Une carte pour la polarité féminine. Ouais. Non, il y en a deux. Et une carte pour la polarité masculine, alors. Ça, c'est quoi? C'est le masculin. J'aurais bien pris pour le féminin, mais bon. Et le féminin, je crois que c'est celle-ci. Non. Alors, pour la polarité féminine, une carte, s'il vous plaît. Celle-ci, elle est bonne. Ok. Ouais, c'est un peu le bordel, hein. Ça peut être inversé, hein. Je me demande si c'est pas inversé. Mais bon, en tout cas, polarité féminine. C'est du 9. Donc c'est l'ermite. Donc l'ermite, celui qui cherche la lumière, qui trouve la lumière. Et donc l'alchimiste, un marcheur sur le sentier de sa vérité, traversant les dédales de sa déconstruction, reconstruction. Son alchimie véritable. Ok, j'aime beaucoup ce jeu. Hein. Après, voilà, je pars sur la phrase, mais bon, c'est une phrase nominale. Enfin, c'est une phrase pardon, sans verbe. Donc, un marcheur sur le sentier de sa vérité, traversant les dédales de sa déconstruction et reconstruction. Et c'est ça, son alchimie véritable. Ça, je vous la laisse. Je l'ai tiré pour la polarité féminine. Ça marche pour les deux, en tout cas. Celle-ci. Prenez si ça vous parle. La deuxième, qui est pour la polarité masculine. Qui est du 14, forcément, de la tempérance. Puisque ça parle de guérison physique. Donc, ça veut bien dire que le masculin, puisque c'est quand même pour le masculin, la polarité masculine à la base, a quand même beaucoup de soucis dans la matière, avec les personnes qui l'entourent, mais aussi des épreuves concrètes. Et ça fait plusieurs mois, hein, plusieurs mois que le masculin, il y a des maladies sur le masculin, il y a des deuils sur le masculin, c'est pas facile. Ok, guérison physique. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. 14, la tempérance. Guérison physique, j'offre ma participation consciente à la générosité de la vie et je crée ma propre guérison. Physique, puisque c'est marqué ici, je me régénère. Il y a beaucoup de masculins en ce moment qui. J'allais dire qui ont une sale gueule. Qui sont fatigués et du coup ça se voit vraiment physiquement.
qui ont beaucoup vieilli, qui ont beaucoup. C'est pas très grave, hein. Ce sera régénéré en moins de 2 quand ce sera le moment. Mais ils en ont pris beaucoup. Et donc, ben forcément, physiquement, ça se voit aussi. Et donc, on régénère le corps aussi. On demande à ce que le corps soit régénéré. Ok. Je pense qu'on est bon avec ça, hein. Voilà. Ouf. Y a un message là. Y a un message pour les couples qui auront des enfants. Un message d'urgence quand même, il faut se bouger. Je sais pas. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Il y aura peut-être un message plus tard ou je sais pas. C'est maintenant en fait, hein. Quand je dis c'est maintenant, c'est cette année. Donc voilà. On y reviendra, vous inquiétez pas. Pour ceux qui sont concernés, je sais que ça parle à beaucoup de gens. Et que ça touche beaucoup, on y reviendra. Mais il y a une notion d'urgence pour ces petites âmes qui demandent à s'incarner. Et donc il faut que tout soit nickel. Et bah, si on n'est pas en réunion, on peut s'occuper que de son chemin à soi pour l'instant, et on aide l'autre le plus possible encore. Et on ne perd surtout pas la foi. Et on se dit pas qu'on est complètement perché et que c'est pas possible, etc. Non, 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 c'est prévu et ça arrivera. Voilà. Je vous laisse avec ceci. Likez, commentez, partagez. Vous savez que j'en ai besoin pour la chaîne. Et puis, voilà. Ok. C'est cool. On a utilisé des jeux. Et vraiment très bien ce jeu. Il n'y avait pas de jeu sur le masculin en fait, c'est le seul. Et je pensais qu'il était plus difficile à utiliser, mais en fait il fonctionne très bien comme ça, même sans le connaître. Voilà. Mais après, même si on le connaît, on peut faire beaucoup de choses. C'est comme pour le jeu sur l'enfant intérieur. C'est des jeux de développement personnel à la base, on va dire plutôt. Mais c'est très intéressant. Et grand merci à tous ces gens qui ont fait ce travail remarquable. Gratitude. Voilà les gens, je vous dis à bientôt. Salut!